Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur du LP, j'espère que vous allez bien tranquillement. Oh, une petite torche de Torchirino. Oui, j'ai remarqué qu'en fait j'avais ce mode là, donc du coup j'en ai profité pour faire surtout des potions en fait. Je l'utilise principalement pour faire des potions. Aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu plus cool, c'est que je suis parti chercher des le temple du Guardian. Je l'ai trouvé, ça m'a pris 25 minutes pour le trouver, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Notamment, j'ai commencé un petit peu un petit truc là-bas, donc j'ai pris de la compressée de sand à gogo là-bas, et je me suis fait une boulder wand qui se craft avec tout simplement des bouts de chef et un lingot de gold. Plus 4 d'XP qu'on a dans l'inventaire, et du coup, ça nous obtient des Magical Wood. Alors, on peut s'en servir comme des tables d'enchant, donc ça envoie 2,5 levels de plus par rapport à une table basique comme celle-ci qui fait que de 2. Voilà, donc c'est pour ça. Donc, également, je me suis fait une Golden Sword avec des blocs d'émeraude autour pour avoir déjà une bonne épée, plus 18 damage. Et dessus, j'ai rajouté tout ce que j'avais en fait au niveau de l'Advanced Sword, c'est-à-dire le Sharpness, l'Unbreak, le Ban of Arthropod, le Smite, le Looting. Et j'ai rajouté avec un autre livre du Mading et un Decay que j'ai eu avec un villageois, que je suis plutôt content d'ailleurs. Donc, du coup, voilà. Également, bah, ici sur la pioche, je me suis rajouté un auto-smelt. À quoi ça sert? Tout simplement, quand on mine tout simplement de la cobble, nous devient de la stone directement. Les minerais, c'est pareil. Alors, ça peut être bien d'un côté, comme ça peut être pas bien de l'autre. Mais c'est pour ça qu'également, je suis parti dans le Nether me chercher de l'amantine, qui est assez rare à trouver, mais j'ai réussi quand même à les avoir, ces trucs-là. Pour me faire un hammer plutôt pété, plutôt même très bien, qui me permettait en fait d'avoir du sable à gogo. Ce sable-là, je suis parti le chercher dans un désert qui se trouve non loin à côté, par ici. J'ai déjà commencé à raser une bonne partie. Et bah, pouvez voir actuellement en fait que je suis parti à pied d'ici, je suis parti là. Et à partir d'ici, j'ai fait tout ça. Hop, je suis parti ici, je suis parti là, j'ai refait le petit tour ici, je suis remonté ici, tac tac tac, et j'ai aperçu le guardian. Alors, vous pouvez voir actuellement que j'ai fait une muraille pour l'instant de sable. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que je vais exploiter en fait le temple, la guardian, pour avoir de l'XP à gogo. Donc, c'est pour ça que je préfère le faire en vanilla plutôt que de le mettre dans une soule et. Que ça pop et puis voilà. On va faire des choses un petit peu vanilla malgré que ça soit quand même du modé. Donc, ce que je vais faire, je vais moi me téléporter ici. Ah ouais, parce qu'on se téléporte parce qu'on est des riches. Voilà, hein, parce que ça évite en fait de partir tout simplement à Tatooine et pouvez voir actuellement qu'il y a une partie du sable qui est faite. Alors, notamment, je suis con parce que je suis parti. Sans me remplir. Oh, des poules! C'est quoi comme poule? Des flints! Ah, ok! Ah, bah, j'irai en capturer des petites comme ça. Par contre, le petit truc un peu con que j'ai oublié de faire, c'est en allant au spawn, aller dans la jungle ici. Alors, je me re-téléporte à la jungle. Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux des vaches. Pour me permettre de récupérer du lait. Parce que dans le temple, la guardienne, il y a le boss. Le boss vous met du mining fatigue à gogo. Et du coup, ça vous crée pas mal de problèmes. Surtout si vous voulez miner un petit peu, tout simplement, les murs, en fait. C'est tout simplement pour miner les murs. Donc du coup, ce que je cherche là actuellement, c'est une petite vache. Que je puisse me faire... J'adore, on voit à travers les feuilles. C'est trop stylé. D'ailleurs, il y a quoi là-bas? Il y a du métal. Moi, je cherche des vaches. Au niveau de la map, il y a que... Ah, il y a des vaches par là-bas. Il y a des vaches par là-bas. Allons-y gaiement. Ouais, j'ai un petit... Hop, je prends du verre parce que YOLO, j'en ai plein. Hein? C'est pas comme si j'avais rasé un désert entier
pour récupérer en fait du sable. J'adore le bruit que ça fait maintenant. En plus, on peut pas le mettre au sol, lui. Ça, c'est cool. Donc, du coup, je vais repartir là où qu'on était au niveau du Guardian. Hop, par ici. Tac, tac, pouf. Téléporte you. Hop là, nous y sommes ici. Alors, du coup, on va prendre le petit bateau. Je vais le foutre là-dedans et on y va. Alors, j'ai déjà commencé à faire le petit coin, le petit endroit, en fait, ici. Pourquoi ? Parce qu'il y aura beaucoup de guardians, comme vous pouvez le voir. Et notamment, je vais vider tout l'eau et exploiter en fait ce temple pour l'XP. A noter, quand vous faites un temple à XP, surtout à guardian, vous prenez... Ah bah tiens, tu vois, en parlant de Manifadi, je l'ai déjà. Vous prenez le bord des murs qui se trouvent là, vous comptez 6 blocs et vous posez votre mur. Et tu m'auras pas. Hey. Hey, hey, tu m'auras pas. Donc du coup voilà. À noter aussi que hop, on va repartir par là-bas. Alors c'était très chiant parce que surtout les guardians qui sont un petit peu chiants. C'est surtout que en fait ils vous tapent surtout ici. Alors je vais refaire ma petite machine pour poser le sable. Alors vous faites ça comme ceci. Il vous faut... Alors il aurait fallu des blocs pleins. Bon, je vais utiliser ces blocs là parce que c'est ultra pratique. Tac tac tac. Je vais reprendre deux blocs. Alors un bloc comme ça. Un repeater. Votre repeater, vous le mettez tranquillement. Voilà, je l'ai mis ici, comme ça. Quand je vais poser du sable, c'est-à-dire ce sable-là, ça va faire un petit tic, ça va activer en fait tout simplement mon piston qui va le déposer ici, le sable. Donc je vais décompresser tout le sable, et puis voilà. Alors, avec le tic, vous voyez, il le pousse plus loin, le sable, de base. Mais ça, c'est pas très grave, parce que ça va le remettre directement à côté. Hop, et un. Et puis du coup, bah vous repoussez le reste pour faire tout le mur restant, tout simplement. Ah, j'étais... je me suis... Genre, il y a une witch qui spawn. Oh. Il y aurait un temple à witch également ? Ça, c'est cool. Bon, sinon, vous avez aussi une autre technique qui est pas mal. Ah oui, par contre, j'ai mani une fatigue à gogo, moi. Oh putain, ça va être la merde, par contre. Heureusement que j'ai un saut de lait. Voilà. Ah oui, par contre, j'ai efficacité de 35 000 dessus. Hop, hop. Donc, ceci t'en fait. Vous pétez ça. Vous pétez votre truc. Hop, on va péter ça, mon sable là, et celui-ci, voilà, comme ça j'aurai celui-ci également. Hop, ceci étant fait, maintenant bah, je peux retransformer ça en sable. Vous prenez votre building one que j'ai faite, et, oh putain, bah, il est chiant lui, et vous faites un, ah oui d'accord, vu qu'en fait c'est pas la version créative, il n'a pas une portée non plus ultra lointaine. Donc du coup, je suis obligé de reprendre à plusieurs reprises. Voilà, en 3 reprises, en fait, vous le faites largement. Vu tout ce qui reste, de toute façon, c'est pas trop un problème. Voilà. De toute façon, ça va le faire, hein. Petit à petit, ça va le faire. Hop, normalement, c'est bon. Continue. Tiens, il y a Monsieur Pierre qui joue à Starbound. Hop, on continue. Voilà. Bon, de toute façon, ça arrive à la fin. Hop, hop, hop. Tac, tac.
Tuc, tuc, tuc. Et là, on arrive à la fin. Donc après, bah, de toute façon, il va falloir les salles à éponge. Voilà. Donc du coup, vous voyez, sur tout ce que j'ai eu plus de 25... ok, très bien. Plus de 25 stacks de double compressed stone. Donc ce qui est quand même assez énorme. Ce qui m'a permis en fait de faire tout le mur complètement du Guardian. A noter également, du coup, une fois que nous avons ça, je vais devoir utiliser ça. On va devoir le faire comme ça, tac tac, ok. Alors je vais devoir m'incruster au milieu. L'avantage d'avoir ceci, j'ai Mine Fatigue 3, c'est pas trop un problème pour ça. Je vais aller au milieu. Normalement j'aurai assez. Bon, l'avantage au petit fine en fait, c'est que je peux voir très facilement ce qu'il y a en dessous. Ah, le boss il est juste en dessous, hein. Ça. Hop. Ouais, il est juste en dessous le boss. Toute façon, vu la raclée que je suis en train de lui mettre. Voilà. L'avantage du bucket, c'est que je peux faire pas mal de choses. Est-ce qu'il y a un autre boss? Je pense que oui, il y a un autre boss. Faut juste le trouver. Ouais, il y a un autre boss. Parce que sinon, j'aurais pas ça. Alors normalement, il y a trois boss. Il y a trois boss dans le Guardian. Bon, c'est pas sûr qu'il y ait les trois boss, hein. Oh, voilà. Et salut! Oh putain, j'adore la radelée que je leur mets. L'avantage du Death Rider, en tout cas. J'adore le Terms qu'ils ont, eux. Ouais, salut le boss! Oh bah oui, il vise. Tiens, je vais te foutre des claques, moi. Voilà. Oh putain, la raclée que je viens de le foutre. Hop, on mange un petit coup parce que c'est cool. Oh putain, je viens de la foutre une raclée. Bon, en même temps, c'est plutôt pas mal parce que ça va, ça fout du Prismarine bloc. Hop. Alors, normalement, il y a peut-être un. Notre boss dans le coin, je ne suis pas sûr. Tout dépend s'il va me remettre un. Voilà, va te coucher toi. Je suis pas sûr qu'il y a un troisième boss. Pour tout dire, je ne suis pas sûr. Tiens, va te coucher toi. Bah, c'est simple, on a juste à en boire un. Voilà. Oh, c'est cool ça. Et puis de toute façon, on va voir si j'ai un autre mining fatigue dans le coin. Oh putain, je me fais stall du partout. Ah, il y en a un troisième. Voilà. Comme ça, j'ai régène. Eh, viens là, toi. Oh putain, j'ai dégagé avec le knockback. Oh, tiens, le petit. J'arrive pas à les killer, ceux-là. Je ne sais pas comment on peut faire pour les killer. Alors, du coup, on va devoir aller chercher notre troisième boss. Par contre, le troisième boss, je ne sais pas du tout où est-ce qu'il peut y être. On a une salle ici. Alors, c'est clairement pas ici. Ah oui, c'est vrai que j'ai indiqué en fait ça met du wither sur les mobs que je touche. Ok, bah c'est pour ça en fait qu'ils prennent des dégâts supplémentaires.
Coucou. Putain, comment je les défonce. Alors par contre, je voudrais bien trouver mon troisième boss. Bon, Mining Fatigue, le temps, ça va, tranquille. L'avantage du bug de saut comme ça, c'est cool. Moi, j'aime bien. Va te coucher, toi. Ah, on a la salle à éponge. Ça, c'est plutôt bien. La salle à éponge, c'est plutôt bien pour vider. Par contre, la salle du boss. Je suis pas sûr qu'on va la trouver. Oh putain. Alors, où est-ce qu'il peut être le dernier boss? C'est ça le problème, c'est que je ne sais pas où est-ce qu'il peut être. Par ici. L'avantage, c'est qu'on voit super bien, hein. Ah non, je pensais qu'il allait me toucher, mais non. Alors, du coup, on a toujours le troisième boss à chercher. Cependant, je ne sais pas du tout où est-ce qu'il peut y être. J'aurais bien voulu avoir respiration, par contre. Ça m'aurait arrangé. Et Temple Guardian, en fait, c'est cool, hein, mais. Amène-moi ton boss, toi. Non? Alors ici c'est fermé. On va aller dans la salle là. Oh, y a rien de toute façon. Où est-ce qu'il peut être? Voilà. Bientôt j'aurai l'épée qui rocks du poney. Bah déjà que celle-là est déjà pas mal, hein. Faut dire ce qui est. Bon, par contre, l'armure, ça va, elle prend pas beaucoup de damage, c'est plutôt cool. Alors, ça, c'est l'entrée. Par contre, le boss, franchement, je ne sais pas où est-ce qu'il peut être. Non, il est pas là, le boss. En remontant par ici, peut-être. Ouais, va te coucher toi aussi. Ah, le v'là. Coucou. Oh oui, vas-y, touche-moi. Voilà. Et bah voilà, troisième boss. Attends. Hop. On va manger pour régénérer, hein. Oui, c'est connu, on peut manger sous l'eau. J'adore, tu leur donnes tellement un coup qu'ils volent, donc du coup ils perdent le focus. Bon, bah voilà, on a fait le Guardian. Magnifatigue 3. Alors normalement il y a la pièce gold. Mais je voudrais bien retrouver ma salle d'éponge. Ah, elle est là. Ma petite salle d'éponge. Alors pourquoi la salle d'éponge? Tout simplement, bah ça va nous permettre en fait tout simplement de vider. Alors, sponge. Par contre, je sais pas s'il faut que je le. Ah non, c'est bon, je peux le. Alors, normalement, j'ai juste à faire un. Voilà. Ah bah, c'est plutôt cool. Alors, du coup, ma sponge est comme ça. Ah, mais attends. Vu qu'il faut la faire cuire, l'éponge. Je la mine comme ça. Ah bah c'est cool. Ah bah c'est magnifique, j'aurais pas besoin de faire de four finalement. Parce que l'éponge là elle est déjà trempée. Mais comme moi j'ai un genre de smelting sur sur ma pioche, du coup, c'est comme si je l'avais fait de cuir. Aurélien joue Starbound aussi. Ça semble louche tout ça.
Et donc, du coup, je peux récupérer tranquillement tout ce qu'il faut. Ça, c'est plutôt magnifique. Hop là. Donc, du coup, je vais pouvoir vider tout simplement mon temple à Guardiane depuis l'intérieur. Ah bah, c'est magnifique, ça. Bon, allez. Je vous dis juste à tout à l'heure. Le temps que ça se fight dehors. Bon, religion. Du coup, tout simplement, actuellement, je suis en train de d'aspirer en fait tout ça. Donc, je me suis mis directement le mode, pas le mode, mais les éponges d'un côté. Directement, hein. C'est nettement mieux. Et du coup, bah, je suis en train de vider petit à petit le tank. Le tank, oui, le temple en fait. Je suis en train de le vider petit à petit. Alors, j'ai trouvé une deuxième salle à éponge. Et en même temps, j'ai remarqué en fait que je peux la crafter. Cependant, il faut du lightning craft ou sinon il faut attendre 2 minutes comme ça. Donc autant la cuire. Ça va nettement plus vite. Du coup, bah, je suis en train de tout faire, hein. Vous pouvez voir qu'actuellement, j'ai fait 2 étages. D'ailleurs, ça, j'en ai plus vraiment besoin. Et j'ai remarqué en fait que bah, je peux me faire mes armures, mes arcs, comme ceci en Guardian. Alors, en équipe full armure, ça me fait du water breathing. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça me permet en fait tout simplement de respirer sous l'eau continuellement. Donc, rester plongé dans l'eau indéfiniment. Tant que j'ai la full armure. Mais pour ça, en fait, vous voyez, il faut des ponts, des six lanternes, etc. Mais également, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut obtenir, voilà, avec l'armure ultime, en tuant des Wither et des Ender Dragons, on peut obtenir l'armure ultime qui nous permet, en fait, tout simplement d'obtenir la full armure qui résiste à tout. Et en même temps, ça te fait un pouvoir d'armure assez extraordinaire. Rien que le baston, ça fait 3 fois la barre de protection en bas. Et également, bah, elle permet de voler, d'aller sous l'eau, d'aller dans la lave, aller vraiment partout avec cette armure. Et en même temps, les mobs vous ignorent. Donc, ce qui est quand même pas rien. Il faut dire ce qui est, ça, c'est quand même pas rien. Donc, le temple, il est plutôt joli, hein, il faut dire ce qui est. Les petits guardians se font un plaisir fou à rester comme des cons en hauteur. Moi, en même temps, je suis en train de toute façon de tout aspirer. Et il est plutôt chiant ce gardien d'ailleurs. Bon, en fait, il va là où il y a de l'eau, donc je peux le comprendre, mais il est plutôt assez chiant. L'avantage, c'est que j'ai des éponges à gogo, donc du coup, je suis un petit peu tranquille. Bon, je suis en train de faire petit à petit les étages. Hop. Ah, ici, ça s'est reformé. Voilà. L'inconvénient de l'eau, en fait, c'est qu'elle se reforme petit à petit. Donc, c'est assez chiant. Il faut se combattre, tout simplement. Donc, combattons-nous, hein. Qu'est-ce qu'il y a, toi? En plus, il est en train de crever, donc. Laisse-moi te tuer. Hop, et puis ensuite, on récupère notre petite éponge. Bon, dommage que ça va pas plus vite, hein. Bon, j'ai pas d'efficacité sur ça. Mais en même temps, c'est une éponge, donc du coup, je ne peux pas faire comme je veux. J'adore les petits qui sont en train de sauter comme des tardes. Ça va sinon? Ouais, ça a l'air d'aller en fait, hein. Tiens, crève. Heureusement qu'on a la régène de la 9, hein, quand même, hein, parce que je pourrais pas sinon. En même temps, je peux les taper comme des tardes, vu qu'ils vont crever. Voilà. Voilà. Ça sert à rien les petits. De toute façon, je vous ai eu.
Voilà. Voyez comment on nettoie une salle? Donc imaginez de faire tout le temple, voire l'océan entier. Avec ça, ça risque d'être assez long. Donc peut-être que je vais faire un petit générateur de sable et recouvrir petit à petit tout ça. Je ne sais pas comment je vais faire, mais en tout cas, ça va être plutôt sympa. Nous, ça va faire dans les 25 minutes environ. Alors ça sera 25 minutes d'épisode de papote et en même temps de Guardian, hein, c'est plutôt cool. Mais en tout cas, je vais préparer tout ça. Je vais peut-être le raser, le temple. De toute façon, j'ai ma délimitation du temple. Voilà, il faut dire ce qu'il y a. Donc, voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker. Et puis, éclatez-vous. Prochaine fois, on va se faire un petit générateur d'énergie. Parce qu'on va mettre du RF Tools. Pour les prochaines fois, histoire de mettre un petit peu d'aquari. D'ailleurs, je me demande si RF Tools ne fait pas en sorte d'aspirer. Comme une pompe, en fait. Je suis en train de me demander si ça marche pas, ça. J'irai me renseigner. Sur ce, bisous tout le monde et à la prochaine. Bisous. Oh, que c'est mignon. Hop, celui-ci.